Amis de la VAP, bonsoir, c'est AssureVAP encore. Merci à toutes et tous d'être donc ce soir avec moi pour cette nouvelle revue. Donc revue donc qui a été possible parce que voilà, Mia Liev du forum Eustique Facile m'a fait parvenir gracieusement une bouteille de Red Aster. Voilà, donc c'est ce fameux liquide que j'ai enfin pouvoir tester. Donc merci Mika. Donc, au niveau des proportions, je pourrais pas vous dire, j'ai pas encore regardé, mais je mettrai un complément d'information en bas là. Et donc, joli liquide couleur rouge et osine un peu. Voilà. Donc, pour la config, je le vape en mode petit chinois. Donc, KTS, donc de chez Camry. Donc, un mode méca. Donc, et le latto à taux goutte à goutte en double résistance. Donc là, je dois vaper aux environs de 0,9 ohms. Et donc, c'est un V5 RDA, je crois. Version Foggy, à cause du PMMA, je pense. Donc, on va partir sur la vape pour voir ce que ça donne. Je pense à du 80-20, mais je suis pas sûr. Donc, ce qui a du goût tout de suite, ce qu'on sent quand on aspire, sensation de fraîcheur, pas le truc style gros bonbon fraîche truc là qui vous arrache la tronche, donc rien à voir, mais un menthol juste frais ce qu'il faut, parce que ce genre de truc ce serait trop mentholé, je cracherais mes poumons. On va peut-être éviter en vidéo, il y en a qui mangent peut-être. Donc, seconde chose, quand vous relâchez le tout, selon moi, un goût de cassis, mais the cassis. Hein. Pas le truc aigre, acide qui vous attaque les lèvres, hein, non mais. Bon goût de cassis, pas trop sucré, juste ce qu'il faut. C'est pas écœurant. Ça persiste un peu en bouche. Le menthol est frais mais ne couvre pas le goût du fruit. Ça, c'est agréable. Ça reste un peu en bouche mais pas trop. Juste assez pour y revenir derrière, pardon. Même en nez, il y a un bon goût qui reste de fruit. C'est agréable. Sans être écrasé par le menthol. J'aime beaucoup ce liquide. Hein. Merci Mika. Bon, je vais arrêter pour les merci, t'en as eu assez. Donc que dire de plus sur ce liquide? Sinon que je vous mettrai les proportions quand je les trouverai, ce qui est exactement comme fruit parce que j'ai peut-être pas tout senti dedans, mais pour sûr un bon goût de cassis, hein. Pas comme sur le liquide de chez Liberty, cassis réglisse. Franchement, qui n'avait selon moi pas grand-chose à voir avec ça, mais qui peut plaire à d'autres. Non, vraiment très bon liquide, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ferai pas beaucoup plus sur ce liquide parce que je pense que ce sont des saveurs franches. Ce qui a été dit. Sinon que le goût du fruit reste un peu. C'est encore frais grâce au menthol, mais c'est pas une grosse fraîcheur qui couvre tout. Voilà. Voilà, bon bah je vous ai tout dit. Merci d'avoir suivi cette petite revue rapide. Encore une fois, merci Mika, tu vois, j'y reviens quand même. Et puis donc, ben, j'espère à très bientôt et surtout, très bonne vape.